Dominique Guénaud, bonjour. Vous êtes le président de la société UbiQuiet. Qu'est-ce que c'est UbiQuiet et quels sont vos produits ? Alors UbiQuiet, c'est une société qui développe des technologies et des services à destination des personnes fragiles, donc notamment les personnes âgées. Et c'est une solution qui permet de traiter plusieurs problématiques des personnes fragiles, donc notamment la sécurité, mais également la façon de lutter contre l'isolement social des personnes âgées, et puis également la coordination des interventions auprès des aidants. Donc c'est une société qui est un opérateur qui développe des technologies au service de distributeurs qui, eux, sont en lien direct avec les personnes âgées. Et quelles sont les raisons, justement, pour les personnes âgées pour s'équiper de vos produits ? Alors, on a développé effectivement un produit qui s'appelle le LI1, qui est un boîtier communicant, qui est un compagnon et qui va effectivement s'adapter avec l'évolution des personnes âgées. Donc, éventuellement au départ sur l'aspect plutôt divertissant, donc on va l'utiliser pour s'amuser. Et puis une fois qu'on l'aura adopté, finalement, on pourra s'en servir aussi pour nous sécuriser dans notre environnement, pour effectivement détecter des chutes, détecter des situations anormales. Alors les bonnes raisons, les bonnes raisons, c'est d'avoir un objet qui va servir tout au long du début jusqu'à la fin de sa vie, enfin du début à partir du moment où on décide de l'acquérir, c'est-à-dire lorsqu'on est éventuellement un jeune senior. Et donc on va l'adopter pour faciliter les échanges avec ses enfants ou ses petits-enfants, donc plutôt pour faciliter les liens intergénérationnels, pour donc utiliser les communications avec l'Internet, puisque notre objet est continuellement connecté à l'Internet. Et puis, au fur et à mesure, on va pouvoir y adjoindre un certain nombre de services supplémentaires qui vont permettre de parer à la perte d'autonomie progressive des personnes fragiles. Dominique Guénaud, merci beaucoup pour cette interview. Je vous rappelle que vous êtes le président de la société UbiQuiet. Merci.